m'appelle Olivier Verbois, donc j'ai 53 ans. Mon métier, c'est artiste peintre. Je suis avant tout artiste animalier. Mon travail correspond à tout ce qui touche à la nature, aux humains aussi, la relation nature-humain. J'aime donc travailler la peinture plus que la photographie ou la sculpture. Parce que c'est pour travailler le support, arriver à quelque chose de concret par rapport à une idée un petit peu floue de ce qui nous entoure. J'utilise l'aérographe. Alors l'aérographe, c'est un pistolet miniature, donc qui permet de faire des flous, de faire des traits très fins. On peut aussi utiliser des caches pour avoir des côtés beaucoup plus droits, beaucoup plus présents. Après, pourquoi l'aérographe? L'aérographe parce que j'ai toujours été passionné par ce qu'on appelait à l'époque la peinture personnalisée, qu'on pouvait décorer des véhicules tels que les voitures, camions, motos et autres. Donc j'ai toujours été attiré par cet outil. Là, on est dans mon atelier, dans mon petit atelier. Donc voilà, alors j'ai ma table qui s'oriente à volonté, donc pour pouvoir faire tout ce qui est petit dessin, petite peinture, où donc je peux le bouger comme je veux. Donc là, il y a ma desserte où il y a toutes mes couleurs, tous mes petits ingrédients pour faire ma cuisine. Et puis donc ici un chevalet mural que j'ai fait, qui me permet de faire des choses beaucoup plus grandes. La peinture, j'en ai toujours fait depuis tout petit. J'ai même pas d'ailleurs de souvenir d'avoir commencé à faire de la peinture. J'ai toujours peint ou dessiné. Je suis rentré aux Beaux-Arts à Limoges. Donc là, j'ai appris plein de techniques différentes, hein, des techniques que c'est pas forcément facile d'apprendre chez soi tout seul en autodidacte. Donc j'ai appris, voilà, j'ai eu une approche sur la sculpture, sur la peinture, sur comment parler d'une œuvre, l'histoire de l'art aussi. Ce que j'aime dans mon métier, c'est tout en fait. J'aime tout, j'aime. J'aime réfléchir d'une idée pour pouvoir faire une œuvre. C'est la faire en fait, l'exécuter. Après, c'est pouvoir trouver quelqu'un, soit qui l'a avant ou quelqu'un avec qui je peux partager, avoir une conversation sur cette œuvre. En fait, ça, c'est tout ce global là en fait.